Golden Boy, c'est la première ligne du compte. Hey, 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 hey. Grâce au délire. Ta Félicica, un bâton. Hey, boy. Même si je connais la somme, je compte encore. Trop compte encore. Faire la peau, t'es au dos, t'es bientôt le rappeur à la. Wesh, le YouTube game. Bon les gars, là on est le... on est le combien aujourd'hui? On est le 6, mardi 6, je suis à 5 minutes de prendre l'avion, donc je vais vous emmener avec moi. On va prendre l'avion direction l'Italie et les championnats d'Europe. J'ai fini ma valise, j'ai pris une valise digne d'un séjour de quelques mois alors que nous partons seulement pour une semaine. En tout cas, je suis surexcitée à l'idée de retrouver la compétition après 6 mois sans compétition. Du coup, je suis trop contente. En tout cas, je suis trop contente déjà de retrouver la compétition et en plus de vous emmener avec moi. Donc je vais vous emmener avec moi pendant ce séjour, ça va être super bien. Excusez-moi, je suis un peu dissipée, j'ai rangé toutes mes affaires, je prends mon ordinateur avec moi, ma caméra et voilà, je suis trop contente. On se retrouve à l'aéroport dans l'avion et après on se retrouve en Italie au Vélodrome de Firenzola et après on se retrouve pour les compétitions en mode là. Genre vous allez me voir en mode là je vais courir. Là je retrouve la compétition. En mode c'est fini, on y va. Genre go. C'est parti. Direction le taxi. Taxi et après aéroport et après avion et après Italie. Incroyable. On arrive à l'aéroport, l'avion. Il est à 17h20, il est 15h02. Donc c'est parti. Ma tenue of the day, donc un petit maillot comme ceci, avec un cuissard long comme ceci, la veste, chaussettes et c'est parti. Et voilà. Dans notre chambre, genre il y a le train qui passe toutes les 2 minutes. C'est franchement super agréable. On apprécie sa venue. En tout cas, continue de nous déranger pendant la nuit. Je suis sûre que vous vous demandez genre en mode, mais Marie Divine, qu'est-ce que tu mets dans ton sac quand tu vas au vélo? Déjà, on met pas tous ces fils. On prend un petit carnet pour noter les temps. Je vais prendre ma truc d'épingle, même si je sais qu'on a pas de dossard, on sait jamais. On prend un gloss pour être mignonne. Il y a le masque, ça sert à rien. Je prends des chaussettes de rechange parce que ma phobie d'avoir les pieds mouillés. Je vais prendre un jogging et j'ai rien d'autre à prendre parce que mon casque, mes chaussures, mes lunettes. Tout est déjà à la piste. Et il me manque quoi? Rien. Bah non. Des gants. Et voilà, le sac est fait. Qui met des gants? Moi. Qui fait du vélo avec des gants? En mode, tu sens pas le guidon? Ça va pas ou quoi? Ce dune est un peu grande, mais bon. Je compte. Hey, 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 hey. Je sais pas si t'as capté le délire. C'est parti. Là. Donc là on vient d'arriver au Vélodrome, franchement il fait archi beau, soleil levant, il y a pas du tout, il y a personne, il y a pas du tout grand monde. Donc on va faire notre première séance sur la piste, on l'aperçoit là-bas, je vous la montrerai dans quelques temps. Ça fait flipper quand même. Tu vois le mur là? Ouais. Genre c'est le bord de la piste. Ouais genre c'est la pente, c'est le virage là. Ça c'est pas de ça. Normalement genre tu regardes, tu sais, de haut le virage. La télé est en train de voir. Je l'ai vu avant. Oh, oh c'est ça la piste. Oui, en vrai ça va. Ouais. Elle a l'air assez lisse et tout. C'est pas ce que Léo disait tout à l'heure mais... Il disait quoi? Bah que ça bouge un peu hein. Ouais. Ouais c'est pas archi plat genre. Bah en même temps j'ai vu pire en retour du coup. Thank you.
explique. Alors là, je suis de retour à l'hôtel. On a été sur la piste, on a fait une prise de marque. Finalement, je fais la VPE. Normalement, je devais partir pour faire vitesse individuelle, Kérin et 500 mètres. Je vous expliquerai au fur et à mesure des journées en quoi consiste chaque épreuve. Mais du coup, je fais la vitesse par équipe avec Julie Michaud et Flavie Boulet. On fait la vitesse par équipe demain, c'est demain, donc aujourd'hui on a essayé quelques départs, etc. J'ai pas pu filmer parce qu'en fait la piste c'est super compliqué, mais je pense que mon père il fera des bonnes images quoi. Aujourd'hui, on a fini pour aujourd'hui, on a été roulé, prise de marque, demain en cours, après demain on court tous les jours, le championnat il est lancé. Franchement il y a une bonne ambiance au Vélodrome et tout, il n'y a pas trop de nations. Et du coup c'est grave cool, le Vélodrome, piste en béton, première fois sur une piste en béton, mais c'est grave cool aussi, franchement je le sens plutôt pas mal on va dire. Même pour la vitesse par équipe, j'ai jamais couru avec elle en vitesse par équipe, ça a été une première, mais je pense qu'il y a quand même de belles choses à faire et voilà, je pense que le briefing d'aujourd'hui va vraiment nous mettre dedans parce qu'on arrive, ça a pas commencé, on ne sent pas vraiment dans la course. Mais voilà, en tout cas c'est parti, je vais vous faire un petit room tour parce que je pense pas que je vous ai bien montré la chambre. En tout cas on a une chambre, franchement on a connu mieux. Mais on n'est pas non plus laissé à l'abandon. Donc là il y a la salle de bain, il y a Julie qui est en train de se doucher, donc on va éviter de la déranger. Ensuite quand tu rentres t'as un petit miroir ici. Tac. Ensuite bah là il y a nos valises, c'est déjà un peu le bordel, on vient d'arriver. Vous avez mon lit, petite séparation, on est à la limite de dormir à deux, mais bon on accepte. Et un deuxième lit, on a reçu d'ailleurs des dotations, donc jogging, veste, je sais pas si ça intéresse au truc, je montre tout ce qu'on a reçu, les doudounes et tout. Et la vue d'ici, voici ce qu'on voit, franchement il fait beau en plus. C'est vraiment pas mal. L'Italie, je m'attendais à vraiment des décors un peu plus... je sais pas, un peu plus italien. Après, on est à Furza, Furdaza, Furenzola. Donc, je sais pas si c'est parce que c'est ici que c'est pas ouf. Mais la déco, enfin le décor, on n'est pas dépaysé quoi. En tout cas, voilà, franchement, je suis super contente. C'est mon premier aussi de filmer genre en mode toute la journée. J'ai l'impression de faire que parler et de pas assez vous montrer ce que je fais. Donc, je vais essayer de plus vous montrer ce que je fais et trouver des gens pour me filmer, oser demander aussi parce que c'est un peu gênant. On se retrouve demain ou ce soir au briefing, en tout cas, à tout à l'heure. Alors là, il est 14h. Il est 14h et on va au briefing. Ils vont nous expliquer un peu comment la journée de demain va se passer. Donc je vous emmène avec moi. Avec moi, du coup, je me suis encore changée. Après le briefing, j'ai massage. Une direction masser mes jambes. Let's go, forme de massage. Alors, c'est comment le massage? Super. Lissandre. Bon, du coup, je viens de finir le massage. Je pense que la vidéo va s'arrêter ici. Attendez. Faut pas abuser du masque. Je pense que cette vidéo va s'arrêter ici. On se retrouve très prochainement pour la suite de mes aventures au championnat d'Europe. Le championnat commence demain. J'espère que ça va bien se passer. On commence par la VPE. En tout cas, venez me suivre sur Instagram pour être en temps et en heure. Suivre les résultats, etc. Et voilà. A plus dans le bus.